salut à tous, match contre la Fiorentina. Les transferts hivernaux sont finis, on s'est renforcé. Pas beaucoup de transferts, mais transferts de qualité. On a Wormer, vous avez déjà vu. Ounas, etc. Sinon, on a Eze, jeune espoir de Crystal Palace. On a Jordan Lukaku, Kenny Tete, Kouassi et Saliba. Et il me semble que c'est tout. Oui. Bonjour et bienvenue, on est très honorés de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait beau, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait passer dans la presse et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Un long ballon vers l'avant. Et c'est intercepté. Ounas. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ouvre Kaka. Il continue son frappe. Oh, la main ferme. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. L'Udinez, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Et c'est Eric. Il ne résiste pas au contact. Ce contre peut très bien aller au bout. Dans la profondeur, bien vu. C'est joué dans la profondeur. Ounas. Le ballon dans la... Le coup de tête. Et c'est Rick. L'ouverture lumineuse. La passe est précise. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Et ils essaient de repartir de derrière. L'Udinez, qui est l'une des meilleures défenses du championnat ces derniers temps, ça fait désormais 5 matchs sans encaisser le moindre but. Bravo. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Bormer, la bonne passe. Tente sa chance. Et goal. Il n'a pas tremblé. Formidable. Et voici l'ouverture du score. Et il faut dire qu'en cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Oh là là, c'est pas bon signe quand on encaisse un but comme ça. Il faut boucher les trous et vite.
le match définitivement lancé. Et tout le stade s'est levé sur ce but. Les joueurs vont se nourrir de cette énergie. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Bormer. Oh, attention! Et ça passe juste au-dessus! Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. Bonne interception, il y avait danger. Ribéry. C'est joué dans l'espace. Gervinho reçoit le ballon. Il décide d'allonger le jeu. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il cherche son coéquipier. Oh, la frappe! Ses attaquants et il jaillit pour prendre ce ballon. Gervinho. Il s'échappe. La tentative. Calderon. Il a trébuché sur cette intervention. L'Udinese mène toujours au score, il n'empêche, la pause va faire quand même beaucoup de bien. Ounas. Pauvre Kaka. Bien, la profondeur. La frappe. Ah, super. L'arrêt splendide. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Neutink, qui se montre intraitable dans ce match. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Oh, le petit ballon piqué! Il a mal dosé son geste, dommage. Il a choisi de jouer long. La longue passe, il peut en profiter. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Dites-moi, on peut retenir quoi de cette rencontre? Oui, c'est une avance logique, même si le score aurait pu être bien plus lourd vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Avec un peu plus de réussite en seconde période, ça pourrait donner une large victoire. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Seconde période, c'est parti. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Il a stoppé l'attaque adverse. Et encore une fois, ils sont solides. Ribéry. Oui, c'était puissant. C'était un bon tir, mais le gardien a eu la main ferme. Jouer long, attention. Il est intervenu. Quelle passe. Oh, s'il réussit son contrôle. Oh, c'est bien joué.
dégagement. La passe en retrait vers son défenseur. Attention là, il y a peut-être un coup à jouer. Il tire. Oh, ce ballon perdu aurait pu leur coûter très cher. Un long ballon. L'interception au bon moment. Okaka. Voilà une bonne occasion de contre. Il relance côté droit. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Ah oui, mais quelle intervention! D'autant plus crucial qu'ils étaient en infériorité numérique. Et il cède sous la pression. Le bon dribble. Calejón! Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment, il s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. La Fiorentina qui effectue un changement. Et c'est un attaquant qui rentre. Il la repousse. Quelle occasion, attention! Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Avec sa qualité de passe. 2-0, le break est fait, on est reparti. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. C'est joué long. La Fiorentina qui procède à un autre changement. Bonne intervention. Il part en solo. Il frappe au but. Ah, c'est manqué, il faut cadrer. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient elle est bien garnie avec toi. C'est mieux comme ça. Hein. Dans le sens du jeu. Dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Ça joue long. C'est bien donné. Oh, le tir! Bon service dans la profondeur. Oh, le contre, l'arme fatale. Le jeu repart vers la droite. Ouvre Okaka. Okaka à droite. Il y a danger. Il n'a pas pu retenir son pénalty. Bien sûr que l'arbitre a raison. Il y avait vraiment faute là. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Premier pénalty que j'obtiens depuis ce jeu. On aura fallu 4 saisons. Restez calme, concentré, ça peut permettre à toute son équipe de faire le break. Et je suis mort. Il est parfaitement tiré.
match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Attention, Ribéry. Oh, il va faire. Aucun problème pour le gardien. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Ouvre Kaka, il allonge le jeu. S'il le trouve. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire. Mais là, ce n'était franchement pas le cas. Ça peut partir en contre. Il est passé. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Quel jaillissement! Il prend sa chance! Oh, caca! But de classe mondiale! Le résultat est déjà assuré, mais il continue! Il continue! La frappe enroulée, elle finit au fond! Oui, il était concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon, il a déclenché sa frappe. Bim! Plus rien n'existait autour de lui. C'est bon, ils maîtrisent complètement le match maintenant. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie.